de la croix. Il libère sa conscience et il libère son subconscient. Quitte son cœur. Libérez la salle, nettoyez la salle et puis mettez les chaises, la télé en marche. Comment t'appelles? C'est Galette Athena. Elle était atteinte d'une folie très exagérée. Dieu a fait la grâce, Dieu l'a délivrée aujourd'hui. Amen. Et nous rendons grand témoignage à la puissance du Seigneur. Voilà, c'est pour dire Jésus-Christ encore et encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avant, il le fait encore toujours au canal, au travers de ses serviteurs, bien sûr. C'est pour dire que si vous avez une maladie dite incurable, vous ne savez plus mettre la tête, je pense que le seul chemin, c'est Christ. Il pourra encore vous apporter la solution parce qu'il n'a pas changé. Il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Viens nous rendre le témoignage de ta fille. Est-ce qu'elle prépare? Tu prépares ici? Oui, là, il est dans le fond. Tu l'aides à préparer? Oui, Tu as fait quelle sauce ici? Avant, on fait ça, c'est un peu de tout. Quand tu venais à Divo, tu avais quel? Tu avais quoi? Quand je venais à Divo, j'étais malade. J'étais malade même pas, comment dirais-je. C'est un soir m'a lancé d'abord, depuis l'âge de 16 ans. Non, est-ce que tu savais comment tu es arrivé? C'est ta mère qui peut m'expliquer? Non, c'est maman qui peut expliquer. Voilà, peut m'expliquer. Pour expliquer un peu son cas. Mm-hmm. Vraiment, papa, bon, il faut dire que moi, bon, j'ai beaucoup honte. Ah, mais grand témoignage. Voilà, mais c'est papa vraiment, de ici. Parce que j'ai dit à Dieu que vraiment, si Dieu, parce que je l'ai promis, il dit Seigneur, guéris mon enfant. Si tu l'as guéri, vraiment, ce que j'ai fait pour bien, toi. Viens, on attend de faire reporter. Laisse portable. Viens ici. Faut laisser. Moi, vraiment, je dis merci à Dieu. Parce qu'il faut dire que cet enfant, vraiment, si ce n'était pas Jésus, vraiment, cet enfant n'était plus dans ma main. Mais Dieu a opéré. Oui, elle est venue dans quel état? Mais elle est venue vraiment dans une chose, état de vraiment folie. Ouais. Elle était vraiment malade. Malade, agressive, voilà. Elle parlait. Tous ceux qui l'ont vu, vraiment, ça n'a pas été facile. Mais pas du tout facile. Ça n'a pas été facile. Ils t'ont mis dans un cadre depuis. Voilà. San Pedro, vers Moussa Doukou.
Il y a une femme qui est, voilà, maintenant c'est là-bas, on est quitté et puis bon. Alors, vous l'avez enchaîné. Voilà, tout parce qu'elle est agressive. Voilà. Même moi, tu m'as insulté. Hein? Elle t'a insulté aussi, non? Tu as insulté tout le monde. C'est pas des filles. Ah, tu sais qu'il avait pas des filles. Il y a 600 ans. Hein? C'est maintenant, il y a 600 ans. Ah, t'as vu que Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Ah, et Jésus est bon. Jésus est bon. Ouais. C'est bon d'attacher au Seigneur. Ouais, ouais, ouais. Jésus est très bon. Tu l'as vu là-bas aussi? Ceux qui l'ont vu là, c'était terrible. Hein? Non, ah oui, non, on l'a vu. On l'a vu dans ses débuts de folie. C'était vraiment grave. Ouais, grave. Ah, écoute, couteau. Elle a pris couteau pour sortir avec ça. Nous tous, nous, on a vu faire dire à nous dans les émissions. S'il te plaît. Quand on est venu. Oui, maintenant ça va, c'est ça? Oui, ça va. Merci aussi le Seigneur. Aussi. Parce que Dieu a opéré un grand miracle. Je vous dis merci. Ça va maintenant, elle prépare? Elle prépare. Elle va très bien. Tu comptes ton ventre à grossir? Oui. Elle mange. Comment ton père s'appelle? C'est Monsieur Gaïa Mathias. Tu as quel niveau? Elle a fait à l'école? Bon, elle a fait CMB. Tu as des parents, tu as des petits frères. Oui, il y a des petites sœurs. Je suis là pour les mettre du côté des filles. Mais avant moi, il y a deux garçons que je suis. Comme ça, le visage. Comment tu as combien d'enfants? J'ai six enfants. Six enfants. Trois garçons, trois filles. Ah, d'accord. C'est elle et laquelle? C'est elle qui est la grande fille. Mais là, il y a un garçon qui est là, c'est lui qui est le premier. Toi, tu es laquelle? Je suis là pour les mettre du côté des filles. Oui, mais combien qu'elle aime parmi les enfants? Je suis la première. C'est. Comment? Non, pas la première fille. Parmi les enfants, tu es à quelle heure? Et si la troisième. La troisième. Oui, la troisième. Oui, c'est ça. Après, elle a sa petite sécurité. Ça va? Tu pries maintenant, tout ça? C'était dans le début quand j'ai venu ici à Seb. Non, est-ce que tu pries? On sait que tu étais malade. Hein, papa, oui, est-ce maintenant il prie. Maintenant, il prie. Tu sens que tu es guéri? Oui, je sens que je suis guéri. C'est Dieu, le Seigneur, que tout ce que j'ai déjà volé, il n'a qu'à tout me donner. Ah, si tu l'as donné tout, il faut le servir. D'accord, papa. Ah oui, il faut servir Jésus. On va répondre. Ouais, c'est ton témoin, comment t'appelles? C'est Galet Tatiana. Oui, Galet Tatiana. Nous sommes à beaucoup de séries comme ça, des personnes folles, Dieu fort dans notre centre de prière, qui ont retrouvé le sens pour dire que Jésus est capable de guérir, et Jésus est capable encore d'opérer toutes sortes de miracles. Notre Dieu est puissant. Vous dit, il y a une solution, voilà. Avec Dieu, tout est possible, il y a une solution. Souvent, on a toutes sortes de problèmes, on ne sait plus où mettre la tête. Mais je pense bien qu'il faut se tourner, il faut tourner les regards vers Dieu. Et notre Dieu, c'est Jésus. Voilà, lui seul encore peut opérer les grands miracles tels que la délivrance de cette soeur. Il y en a tellement de séries de délivrance comme ça. Voilà, donc je vous dis, Jésus est capable encore de vous guérir. Jésus est capable encore de vous délivrer. Si vous espérez encore en lui, vous mettez tout votre foi en lui, il peut encore vous délivrer. Nous sommes ici à Zaroko, qui est un son de prière de délivrance. Ben voilà, donc tu dis shalom, et que ce vendredi, il a eu droit à une grande veillée par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen.